Et bonjour tout le monde, c'est Monsieur Samuel. Voilà, donc là j'espère que le son de ma voix par rapport à celui du jeu est, comment dire, bien réglé, hein, parce que là j'ai vraiment lancé ce live sans prévenir qui que ce soit, sans avoir fait préalablement de test. Voilà, c'est juste... voilà, sur un coup de tête, je me suis dit, allez, j'ai envie de montrer SAO, je trouve... que les journalistes français spécialisés dans le gaming ont trop boudé la licence alors qu'il y a eu une série de jeux assez sympathique. Voilà, donc je suis déjà sur celui-là à peu près 2 heures de jeu. Alors il faut savoir qu'il est disponible à la fois sur PlayStation 4 et sur PC. Là je joue sur PC. Ah, qui vient d'arriver sur le vocal? Allô, allô? Allô? Un petit instant. C'est bon. Ah bah enfin, taille pilon, je débute ta live. Attends, putain. Ah, par contre, je vais peut-être pouvoir me servir de toi. Attends, c'est de la merde. Oui, bien sûr. Ouais, donc je disais, je vais peut-être pouvoir me servir de toi, parce que j'ai peur que le son du jeu est un peu fort par rapport à ma voix. Alors, j'ai pas fait test sur celui-là. Comment? Attends, je baisse tous mes sons pour vous mettre au... Ouais. Pour mettre en accord, voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous avez tous à identifier? Comment ça, identifier quoi? Le son est un peu fort. D'accord, Corioz. Mais quand tu dis qu'il est fort, tu veux dire le jeu par rapport à moi? Ou ma voix? Non, parce qu'en fait, j'avais conscience que ce jeu, le son était un peu fort. Du moins, la première fois que j'avais lancé... Par rapport au personnage que j'avais sur Discord, donc là j'avais un doute. C'est Sword Art Online, ou le Realization. Parce que t'es en Just Chatting. Bah oui, mais tu vois, le jeu n'est pas très populaire chez les Français. Donc bah c'est ça. Déjà, même à travers le monde, il n'y a aucun live en cours dessus. Donc pour m'assurer que des gens s'y intéressent, des randoms, je l'ai mis sur le Just Chatting. Okay. Le jeu par rapport à ma voix. D'accord, Corio, je te remercie. Du coup, je vais baisser ma voix. Dans... Enfin, j'ai augmenté ma voix, ou plutôt baisser celui du jeu. Je te remercie. Alors, regardons ça. Pom-pom-pom. Non, alors là, si je coupe carrément celui du jeu, ça va pas le faire. Alors, pom-pom-pom-pom-pom. Je vais faire comme Verchat, mais à l'inverse. Verchat, à chaque fois, je baisse de 3 décibels ma voix par rapport au jeu. Là, je fais le contraire. Hop, voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce que ça donne, Corioz? Est-ce que là, maintenant, ça va pour toi? Sachant que j'ai pas utilisé le mélangeur de... comment... de Windows, j'ai directement utilisé celui qui me permet de régler mon son et celui du jeu dans mon logiciel de stream. En fait, Axel, je te vois plus du tout connecté sur VRChat. Non, je me suis connecté récemment, ça m'a cassé les couilles, plus tard. Bah, moi les dernières fois que j'y étais, franchement, je me suis fait chier. D'accord, c'est bon, mes oreilles ne tiennent plus, donc ça veut dire qu'on m'entend mieux par rapport au jeu. Bah, okay. En gros, je me suis connecté, il y a une personne qui m'a rejoint, un Québécois, hein, il m'a parlé. Et t'as rien compris? Je comprends ce qu'il dit, j'en avais d'accord, rien. D'accord, parce que moi j'en ai, je comprends rien du tout quand il parle, les gars. Du coup, je dis oui. Mais non, mais... Hein? Non, parce que j'en avais rien à foutre, en fait. D'accord. Donc il me parlait. Avatar, ok. Moi, de mon côté, j'étais en train de faire un avatar, j'étais parti en plus en test, à la base je m'étais mis en free-end au cas où quelqu'un d'intéressant rejoint. Mm-hmm. C'est dommage, y'en a pas beaucoup dans ma liste d'amis. Et... du coup, bah... Ouais. J'y vais même plus, j'ai des skins à donner là, je finis les skins que j'ai à faire et... Voilà. Mm-hmm. D'accord. Ouais, donc tu continues à bosser sur... sur Discord. Et sur Discord. Sur Unity. Quoi, sur Unity. Ouais, je bosse de temps en temps sur Unity, puis après c'est tout. Bon, en fin de compte, dans le truc, c'est vraiment bosser sur Unity qui t'intéresse le plus. Ah, clairement, oui. Ouais. Ouais, c'est con d'en être là, mais... alors, attends, je réponds juste à Corioz. Alors en fait, Corioz, je t'explique, même s'il y a une version multijoueur du jeu, enfin... Après, je sais pas comment fonctionnent les quêtes quand on lance en multijoueur. En fait, le jeu se présente comme si c'était un MMO, alors qu'en réalité, là tu vois, je joue en solo.
Et bah, en fait, on va dire c'est en quelque sorte l'habillage. Parce que comme, bon, je pense que tu dois connaître comme tout le monde l'univers de Sword Art Online. Ouais, comme eux-mêmes sont... Bah ouais, lol. Alors comme, comme eux-mêmes sont dans un jeu, bah voilà, du coup c'est présenté comme ça, comme s'ils étaient dans un MMO. Voilà, c'est pour ça que t'as une présentation qui rappelle pas mal les MMORPG, sachant que t'as peu de chance de me voir un jour vraiment sur un MMO. C'est pas mon truc. Donc non, farmer, c'est pas son truc. Ouais, voilà. Ouais, enfin, donc là les mises à jour, enfin les mises à jour de niveau se font assez, de façon assez homogène par rapport à la montée en difficulté du jeu, donc. Oui, non, je veux dire à par rapport à un MMO, il y a ouais, 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 où tu peux passer beaucoup de temps justement à monter tes levels pour pouvoir avancer avec ton groupe, et aussi t'organiser avec eux. Et donc c'est ça qui m'ennuie un petit peu, sinon donc non, bah c'est en fait un RPG, avec une action RPG, voilà. Comme Zelda. Et tu disais, ouais, c'est quand même triste, hein, comment tu viens pour jouer, je te rejoins, c'est quand même triste, hein, tu viens pour jouer à un jeu, ouais, à la base, et tu préfères quand même aller travailler sur un logiciel qui permet de faire juste des skins, des apparences. Mm-hmm. Ouais. Pour que Nixie, tu connais que l'ouverture. Alors, en fait, tu me fais penser, d'ailleurs je le montrerai en live, j'ai fait un petit tour rapidement tout à l'heure sur Chillout VR. Ouais. Alors malheureusement ça manque de monde, mais un truc de fou. Qu'est-ce que c'est ? En fait le truc c'est qu'il est pour l'instant en version Delta. Donc du coup t'es obligé de demander la clé et tout ça pour l'avoir, à partir du Discord. Si tu veux je te le prêterai. Le ping franchement il est insignifiant, c'est méga fluide, ça n'a rien à voir. Sachant que les animes, tu peux lancer les animations en cancer, tout ça. Ouais. Hein ? Bah, faut voir le développement une fois que ça passe en bêta. Après, à l'heure actuelle, forcément qu'ils sont en delta parce que déjà ils bossent dessus. T'as des trucs en fait dans le menu quand tu vas dedans, c'est bien écrit que c'est encore sous en construction. Et bah, j'imagine aussi que c'est la taille des tuyaux, c'est le nombre de personnes connectées. Oui. Ah ouais. Donc, wait and see. Ouais. Ah d'accord, là ça c'est agressif par ici. Enfoiré. Mais non, vraiment, autant Oasis, j'étais assez sceptique par rapport à l'aspect des avatars, même si tout de suite il y avait plus de monde, forcément, vu que là il a été en diffusion direct. Et encore, ça fait longtemps que j'ai pas été dessus, hein, sur Oasis. Parce que sur le Discord, franchement, il y a quand même pas mal de monde qui les a rejoints. Hein. Ah. Ça vaut peut-être le coup de jeter un coup d'œil. Ouais, pareil. Bon, en soi, j'ai pas. Les jeux VR, ce soir, bah, tout à l'heure, je me suis tapé peut-être un. Ouais. Je m'étais peut-être. Ouais. Un petit coup dans la tête, j'avais envie de. J'avais envie de. Ouais. De faire un Pavlov. Oh, faut me persigner quand tu veux faire un Pavlov. Et puis après, j'ai eu la flemme. D'accord, ah. Parce que. Bah, ça fait vraiment. Bah, de toute façon, c'est avec toi la dernière fois que j'ai joué. Kirito et tout son harem. Alors, je les contrôle pas, hein, Kirokorios. Dans le précédent jeu qui était Lost Song, tu pouvais jouer avec les autres. Là, c'est seulement Kirito. Ouais, donc. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, faut te prévenir quand on fait un Pavlov. Ouais, mais. Bah. C'était, j'ai eu que l'envie comme ça, un seul coup, sur un coup de tête l'après-midi. D'accord. Là, j'ai utilisé mon casque que ça me. Bah, moi, c'est pas ça, non. Moi, c'est quand je dis pour VRChat, c'est plutôt que VRChat, quand t'es pas avec des gens pour faire le con, c'est honnête, hein. En gros, dedans, t'as pas grand chose à faire. Oui, surtout quand t'es tout seul, quand t'es pas avec des gens. Ouais, mais bon, moi, au début, justement, il y avait plein de gens qui regardaient pas de Morwan, mais je voulais être assez tranquille, moi, pour visiter de la map, tout ça, essayer des avatars, mais. Cet aspect. Bon, en fait, voir ce que les gens avaient créé. Mais. Ça me passionne plus maintenant, enfin. Bah, même, tout le monde se copie, donc tout le monde fait la même chose. Voilà. Bah, ouais. Je veux dire, t'as vu les 50. Tu prends 50 avatars au hasard, hein. Ouais. Je veux dire, dans le loot, t'en as au moins 30 à 40 qui se ressemblent. Ah, bah, bien sûr. Alors, bah, ouais, au début, quand t'arrives dans VRChat, voilà quoi, c'est nouveau, donc waouh! Mais bon, une fois que t'as l'habitude, bah. Je veux dire, à part les avatars des Nippons qui ont des spécificités spéciales. D'accord, c'est les plus originaux, je trouve. Hein,
c'est pas encore les nippons que t'as l'habitude de voir en map, tu sais, dans leur map à eux, quoi. Non, c'est les nippons, c'est les skins qui s'échangent entre eux. Tu vois, quand on part sur des maps. Il y a certains skins très sympas que j'ai déjà vu. Ouais. En fait, c'est pas des skins que tu trouveras sur des maps. Ah oui, je comprends, je comprends. S'échangent comme ça, les skins. Ouais, mais attention, tu es sur des maps, mais le truc, c'est que je crois qu'on nous met. Comment ? Que tout ce qu'on nous met en avant, en fait, quand nous on se connecte, c'est vraiment orienté occidentaux. Oui, c'est. Non, mais oui, je sais. Bah oui, non, mais tu dis ça parce que je crois plutôt qu'on rate pas mal de maps parce que bah, les lords ne sont pas mis en avant. Ah non, non, c'est. Là, ça, je sais, c'est. Non, là, je parlais vraiment que de. De. Ouais. Qu'en gros, bah. Même si tu vas. Voilà, donc là, il faut comme si qu'il y a d'autres joueurs alors que. Bah, ah putain. Ouais. Faut. Je sais qu'ils nous réunissent par, par continent, c'est normal, on n'a pas les mêmes cultures et l'enrichissement culturel c'est pas encore pour VRChat visiblement. L'enrichissement culturel lol. Voilà. Pourquoi ça marche pas? Bon après tu connais mon opinion sur le sujet, hein. C'est plutôt qu'il y a une partie qui donne l'impression qu'il représente véritablement les Français présents dans le jeu et ils sont un peu cons, hein. Mais surtout que donc on des nouveaux arrivés tombent sur ce groupe, c'est pas trop ça. Comment ce que je voulais dire c'était ça. C'était en gros que bah, sur certaines maps, bah, quand tu croisais les mecs qui ont des skins nippons, tu sais que t'arrives à les cloner, etc. Bah tu regardes, tu sais avec le logiciel ou les méthodes qu'on a aujourd'hui, tu regardes qui est de quand et de qui vient, est-ce que tu l'as eu sur une map, etc. Ouais. Bah des moments, franchement, c'est pas rare de voir que le skin il est pas sur une map. Tu le trouveras pas autrement que en discutant. Ouais. Après tu sais que moi j'ai l'habitude de lancer du force clone donc. Oui, non, mais. Je me posais pas de questions jusque là, ça et le verset X. Donc, c'est en regardant bêtement, parfois tu te rends compte ça. Bah, ah, tiens, le mec il a pas de map et il a. Tu vois qu'il a 20 avatars sans foudre à canon. Ouais. Mais. Tu veux quoi? Non, parce que en gros, je vois mon jeu t'ancien, le jeu où je devais tout automatiser, il y a un moment, je suis en parler. Ouais. Et ben j'y joue et je suis avec des points de pression. Je te laisse continuer, tu étais en train de dire quelque chose. Comment? Tu étais en train de dire quelque chose. Alors si j'étais en train de dire quelque chose, je m'en souviens plus. T'allais commencer une phrase. Je sais plus quoi. Putain de merde. Ah ouais. Bon à mon avis j'ai juste commenté ce qui se passait dans le jeu. Non, parce qu'il y a des moments en fait pour avancer, bah finalement faut explorer. Ah oui, d'ailleurs c'est ça qui est original dans le jeu là par rapport aux autres jeux des Sao. C'est qu'en fait t'as énormément d'exploration avant de découvrir bah, comment avancer dans l'histoire. Ah. Et c'est immense, c'est vraiment immense. Hop. Comment? Cet été je suis... Là il y a de plus en plus de chances comme quoi je suis pris en travail. Pour faire quoi? L'animation. D'accord. Les gosses, ouais. Bah ouais, moi j'ai l'habitude. C'est comme j'adore ça, bah ouais, mais moi c'est un peu compliqué. Ouais, les gosses. Bon après, les gosses, ce que t'appelles les gosses aussi, c'est quel âge? Je vais gérer des mecs qui peuvent aller jusqu'à 18 ans. Ouais, bon, voilà, ça va. C'est les pires. Non, pour moi c'est vraiment les gosses maternelles, primaires. C'est ceux-là qui se mettent à hurler l'accent entre eux. Ça part dans des bruits très stridents, limite des ultrasons. Après c'est peut-être parce que j'ai l'habitude ou j'ai de la merde dans les oreilles, hein, mais... Ouais. Ça me fait plus rien, peut-être. Enfin, heureusement qu'il y a des gens comme moi qui sont faits pour ne pas avoir de gosses. Il y a déjà assez de monde sur Terre. Pourquoi je crois que ces trucs là vont m'attaquer? Bon après ils sont niveau 7, ou niveau 10, je suis pas trop inquiet. Ah! Ouais voilà, c'est bien. Risque dalle.
Là, je profite de leur feuille. Bah voilà. On se fait attaquer ? Non, on fait que se fait attaquer. Et... Ouais. Non, j'allais dire un truc, mais non, je suis en live, j'allais te parler de moi pour ma situation. C'est pas le moment d'en parler, ma oui. Non. Nya. Non, on va plus tard. Si t'as encore un vocal plus tard, on en parlera. Ah ok, ça marche, Corioz. Passe une bonne nuit. Ouais, par contre, tu vois justement que en plus maintenant des actifs qui ont pris le boulot, que... Comment ? Bah que les étudiants ont pris l'école parce que... Bah, moi au niveau de Twitch, YouTube, je vois le trafic. Oui. Ouais, il a chuté, mais c'est impressionnant. Et je parle pas que de moi. Tu regardes même les catégories sur Twitch, voilà quoi, ça s'est pété la figure. C'est pas étonnant. Bah bien sûr que c'est pas étonnant. Attends, un petit instant publicitaire. S'il y a des gens parmi vous qui n'auraient pas encore fait le nécessaire, merci de rejoindre mes followers. C'est le bouton suivre en dessous de l'écran. Tu sais que... Oui. Il y a des mecs qui sont imposés, ils sont improvisés une célébrité. Comment ça pendant le confinement, en gros, mais des mecs sont devenus célèbres pendant le confinement. Et là, en ouais. gros, c'est des profs. Ah oui, ça. Ils sont devenus, tu sais, on va dire, youtubeurs assez célèbres avec un certain niveau de vue parce qu'ils sont profs. Par contre, t'as vu qu'ils passent toujours les émissions à la télé là pour soi-disant rattraper, enfin rattraper, s'assurer que les enfants n'allaient pas avoir un retard. Ouais. Peut-être pour faire court. Mais alors, putain, quand je tombe dessus, je suis mort de rire quoi, tu vois le niveau. T'es complètement crétin. Tout à l'heure, je tombe dessus, mais je me disais, mais non, ça sert à rien. T'avais comment ? Ah, d'accord, il m'attaque. Ouais, t'avais comment une. Enfin, c'était un dessin, c'était un cavalier sur un cheval là. Et une branche. Et en fait, la question c'était juste est-ce que le cavalier est obligé de se baisser pour passer ? La branche à 2m25, alors le cheval jusque son dos là où t'as la selle. Voilà, on va dire, enfin bref, il y avait la distance, la taille, plus le dos du cavalier jusque le haut de sa tête. Et en fait, bah les deux cumulés, tu comprenais qu'il y avait 10 cm de trop. Alors c'est sûr que le gamin, il a besoin qu'on lui explique à la télévision comment ça marche. Ah, mais Oui ? L'éducation nationale, tu vois ? Ouais. A extrêmement changé et c'est... Ah mais c'est ce que je vois, t'inquiète. Que putain, moi à l'époque, le niveau était pas comme ça. Même moi, je veux dire, c'est pas vieux, mais... Non. Ouais. Quand je constate aujourd'hui les pères... Ouais. Les pères, je veux dire, je pose des questions à des gosses, je demande tout simplement, est-ce que tu connais Pythagore ? Un mec qui est au lycée. Tu sais, rien que le nom, je veux le nom de Pythagore. Ouais. Bah, c'est ah, qui, on a déjà entendu. Oh putain. Tu sais, les règles dans un triangle, la trigonométrie. Ouais. Bah, le gamin, il a quand même intérêt à apprendre ça parce que même si en échec scolaire, Pythagore, il va en avoir besoin dans le bâtiment pour calculer. Pour calculer des surfaces et des distances. Oh putain. Oui, oui. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'école, tu comprends pas ça parce que tu fais qu'appliquer. Et une fois que tu rentres dans le monde du travail, que voilà, t'as un mec qui va te sortir, ah t'as appris ça à l'école, et t'es là en train de dire ouais, je me souviens de parler de ça, mais je sais plus comment ça marche. Et c'est là que le gars t'explique à quoi ça sert. Et c'est là que tu dis oh. Ah, moi dans le temps, j'avais pas assimilé parce que j'appliquais vêtements, hein. Et surtout que c'est là que le mec. Ouais. Ah oui. Par contre, ce qui est marrant, c'est clairement le mec qui t'explique ça, bah c'est un papy qui lui n'a pas été loin à l'école, qui a commencé le travail à 14 ans. Ouais, parce que pour eux, à Pythagore, ils apprennent ça en primaire. En primaire, ou j'ai envie de dire, une fois qu'ils étaient actifs eux-mêmes, hein, peut-être qu'ils ont pris ça dans le travail. Mais non, mais je veux dire, tu vois, bon. C'est. Ils apprenaient ça quand même assez jeune, nous. Bah, alors. Mon père a commencé à bosser à 14 ans. Ouais, aussi, bah après, c'est. C'est dur de dire ça parce que les gens ont changé. Ouais. On a gagné des années. Hein. Ouais. Après attention, hein, la raison pour laquelle l'âge de... Enfin, à laquelle les gens ont arrêté l'école s'est prolongé, c'est pas simplement pour avoir un bon boulot, hein, même si on leur a fait miroiter. C'était aussi une façon, dans le temps, de calculer les chiffres du chômage. Oui, oui.
parce que là tu vois justement la mentalité du gouvernement actuel. Là c'est plus. Là c'est bien de dire aux gens, bon voilà, vous allez à l'école, la finalité d'aller à l'école c'est bel et bien trouver un bas de travail à terme. Donc par rapport on va dire aux aptitudes des gens, que soit honnête, on les a pas tous, on n'a pas tous les mêmes. Voilà, enfin. Tu ne peux pas être égal à quelqu'un qui vient Bah oui. Complètement, même si on a les moyens financiers de faire les études, on n'est pas tous capables de passer. Ah. Ouais, les études pour devenir médecin. Désolé, là, je me concentre en même temps que je joue. Mais oui, j'allais dire que j'allais prendre mon exemple. Ouais. Regarde, je suis quand même en études pour devenir technicien, c'est quelque chose quand même, c'est pas un petit technicien. On commence déjà à monter toi, dans les. Dans la hiérarchie. Ouais. Et chaque fois que ça peut être compliqué. Déjà, c'est le. Dans les études. J'ai pas révisé pour c'est le seul moment où je peux, ça devient compliqué. Quand je quitte, ouais. La légalité de la. Je quitte juste le cursus, on va dire scolaire basique. Ouais. C'est complètement con. Augmenter la difficulté d'un seul coup comme ça, c'est complètement con. Bon, après tu me diras, c'est peut-être parce que t'étais en cours, non ? Comment ? Après tu me diras peut-être pour démonter mon argument, c'est peut-être parce que t'étais en pro, non ? En pro. Alors figure-toi que à un moment donné j'avais arrêté la filière générale pour me retrouver en pro et je suis retourné à la filière générale. Ouais. Bah concrètement je me suis retrouvé dans la filière pro à un moment donné, non pas parce que j'étais pas capable, c'est parce que j'ai commencé ma première année de lycée, j'ai été absent 50% de l'année. Ah oui. Oui, donc là forcément que. On va dire j'étais dans une phase où j'ai fait le con. Allez, ouais, ceux qui sont sur le stream, faites pas comme moi. On fume pas des pétards pour les enfants. Oula, t'es en train de mettre le doigt sur quelque chose, je chute. Putain. Mais ouais, l'éducation nationale a chuté. On voit quoi ? Et ouais. Aujourd'hui, quand tu vois ce qu'ils veulent faire pour les enfants, je veux dire, tu sais, il y a des choses qui sont dégradantes. Hein. Mm-hmm. C'est dégradant pour les enfants parce que, je veux dire, tu les vraiment prends pour vraiment des débiles profonds. Mm-hmm. Et quand tu vois ce qu'ils veulent leur faire faire, tu sais que l'alphabet, ils veulent le changer. L'alphabet. L'alphabet tel qu'on le connaît. Les écritures, le manuscrit alphabétique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ouais. Il y a des personnes qui veulent le changer parce qu'ils le trouvent oppressif et sexiste. Hein ? Et non adapté avec les gens. Ah, je rigole pas. Hein. Oh putain, mais. Ça c'est pas des théories, c'est pas des choses comme. Non non, c'est vraiment les mecs ils veulent que en gros ce soit l'écriture un alphabet pour tout le monde, pour toutes les classes sociales, pour tous les genres, pour toutes les races, sociales. Tout le monde. Tu vois, ouais. Non, mais c'est vraiment l'idée, tu vois, c'est du coup. Pas compris, 14. Ouais. C'est niveau gauchiste. Uh-uh. Et après, bon, t'as plein d'autres choses, hein. Ils veulent en français, comme ouais. des changements qu'ils veulent apporter. Ouais. Mais tu peux apprendre en français que j'ai ma dyslexie. Ouais. Et ça, je m'y suis fait. Mais je veux dire, quand tu commences à trouver des choses dans ta langue natale, c'est que t'as des problèmes dans ta tête. Ils ont voulu supprimer les accents à un moment. C'est accent aigu, etc. Ils l'ont déjà supprimé de certains mots, hein. Oui, certains mots, mais c'est complètement con. Avec, moi, je avec ça le mot après qui existe dans différents. Ouais, c'est ça, plusieurs nuances. Parce que je trouve ça complètement con, personnellement. Hein, c'est ton identité, quoi. C'est une forme d'identité. C'est culturel, mais bon, c'est ça qu'ils sont en train de lever. Oui.
Mais oui, aujourd'hui, on veut supprimer ton identité culturelle, ton identité historique. Voilà. C'est triste. Bah, c'est pathétique et surtout, je veux dire, on est actuellement dans une société qui est en difficulté. Il y a vraiment d'autres choses à penser. Oui, on en revient. Mais non, on est en difficulté économique, c'est complètement con de rajouter des problèmes sociaux. Oui. Mais tu vois, les personnes souvent quand ils te parlent de ça, c'est Jean fils d'eux qui a fait comment ça s'appelle ? Qui a fait un... Ouais. En gros, il a fait un bac. Tu sais, après le bac, il a fait un master en sociologie. Ouais. Généralement, t'as un mec qui se balade dans la vie, il dit qu'il vient de L. Généralement, personne ne le respecte. On va pas se mentir, les mecs qui ont un bac et qui, quand ils viennent en entreprise avec un bac L, derrière. Ouais. Ils rigolent bien, les mecs qui recrutent. Bah, bac littéraire. Bah oui. Bac scientifique, c'est déjà un forcément peu plus intelligent. Ah, c'est surtout que... c'est surtout qu'à à moins de vouloir devenir enseignant, ça va servir à quoi? Ouais. Je veux dire, bac scientifique, tu sais, c'est compliqué, t'as des choses, etc. Mais je veux dire que ça sert quand même, hein, pour si tu veux poursuivre des études, etc. Bac scientifique, t'as de quoi... Y'a de quoi. Mais Jean PDG fils 2 qui a un bac L, franchement tu pues la merde. Et c'est souvent ces mecs là qui vont t'apprendre la vie. Ouais. Sachant que la vie, elles l'ont pas. Donc c'est marrant. Sauf. C'est souvent eux aussi qui vont t'insulter de néo-nazis d'extrême droite parce que tu as défendu un mec qui a fait de l'autodéfense chez lui. Ouais. De quoi? Non, je disais, ouais, bon, derrière, tu vois qu'il n'y a pas de niveau. La dimension qui est là. Ouais. C'est probablement le RPG le plus dont la map est la plus grande auquel j'ai joué. On voit pas le bout. Oui, il paraît que la durée de vie est monstrueuse. J'ai pas trop joué de SA. Pourtant j'aime bien la licence, hein, c'est pas le problème. Moi aussi, hein, c'est même pour ça que... que je me suis quand même intéressé au jeu alors qu'ils ont été pas mal boudés par la presse française. Oui mais la presse française, tout ce qui n'est pas gauchiste... Comment ? La presse française, tout ce qui n'est pas gauchiste, c'est s'acheter, tu vois. D'ailleurs, en parlant de propos bobo gauchiste, à mon avis, demain, je pense que j'ai vraiment tout trouvé la veille dans les bacs. Je pense que je vais avoir Last of Us 2, donc on pourra voir si. Ben, si le délire LGBT est si fort que ça dans le scénario. Je sais pas si t'as entendu parler. En fait, avant même que le jeu y sort, il y a eu des fuites. Ouais. Du scénario, alors t'as l'héroïne qui est... Enfin celle qui représentait la gamine de 14 ans dans le premier, qui... Ellie, qui est homosexuelle et... Après ce que j'ai compris, mais j'ai évité de me spoiler, que ce soit ta petite amie ou le mec du premier... Comment ça s'appelle déjà? Parce que je concentre en jouant tant que je parle.
Ouais, voilà, ça tu m'as compris. Il se ferait tuer par, on va dire par une groupe de personnes qui sont homophobes. Enfin, tu m'as un peu le délire. Ouais, c'est l'homme blanc cisgenre, c'est oui, l'agresseur. Mais bon, en gros, c'est ça le méchant dans le jeu. Je vais pas apprécier. Après, je sais pas, à voir, parce que finalement, là depuis une semaine, on a eu les premières, les premiers tests. Les ouais. critiques sont bonnes. Hein. Oui, mais il faut. Ah mais elles sont même excellentes et c'est unanime. J'ai vu aucun test qui disait que c'était de la merde, au contraire, ils s'accordent même presque tous à dire que c'est peut-être le meilleur jeu de la Play 4. Ah ouais. Après à l'époque où le premier était sorti, c'est aussi en fin de vie de la Play 3 et on disait la même chose et en fait oui c'est vrai que le jeu c'était clairement un des meilleurs titres de la Play 3. Peut-être même le meilleur. Ouais. T'as pas joué toi? Non, les Last of Us que je les ai... Ah, les Last of Us, là c'est le deuxième, ouais. Oui, non, c'est ce que je disais les parce que tu... Ouais. Je parle de la licence. Je n'y ai pas joué, je les ai... À une époque, je les ai regardés. Ouais. Ça m'avait pas plu. Oh, pour moi c'est exceptionnel. C'est très prenant. Je sais que c'est prenant, etc. mais... Je sais pas, j'arrive pas à... Ouais. C'est pas le type de jeu... Après c'est pas bourrin, hein. C'est que moi habituellement j'aime bien quand c'est bourrin, j'aime bien taper dedans. C'est même ça qui est surprenant, parce que moi généralement quand il faut être discret et qu'il y a de la frustration, je rage. Mais non, là ce jeu là c'est différent. Ouais non mais c'est... Mais c'est vraiment non, c'est le... Il y a peut-être une dimension qui plaît moins. Ouais. Après ouais, comme je dis, comme on sait, les jeux auxquels je joue, c'est soit je peux. J'ai. Par exemple dans le jeu là où je suis en train de actuellement jouer. Ouais. Je construis tout ce que je veux. C'est-à-dire que si je veux faire une machine, je dois la construire. Je dois la construire, je dois faire des recherches, etc. Donc ça c'est des jeux poussés. Ouais. Ou c'est des jeux militaires. Donc purement militaires où t'as des pistolets. J'ai déjà été là-bas, il me semble. Ouais. Et où la non, physique des armes est un peu respectée. D'accord. Il m'a pas tant à gripper que ça. Oh putain. Ouais. Ouais. Je vais te regarder. Il a stoppé, après il y avait quoi, il y avait un autre truc qui sortait en... Mais moi la Stop Us, moi au début... Ah putain. Ah bon, vraiment qui sort hein, je m'y intéressais franchement pas alors qu'il y avait déjà... Il y avait déjà une belle hype quand il avait été annoncé. Ouais. Mais parce que bah pour moi ça faisait jeu de zombies et... Je suis pas jeu de zombies. Et en fait non, ça a rien à voir. Enfin attention hein, t'es au courant que c'est pas des zombies dans le jeu hein. Non, c'est... je sais que c'est des virus. Bah c'est, en fait, c'est exactement ça, champignon, et qui existe déjà hein, mais qui n'attaque que les insectes. Ouais, c'est juste que là ils ont modifié pour le biais du scénario. Bah voilà, en somme, même s'ils n'expliquent pas dans le jeu comment ça s'est passé, bah il faut comprendre que c'est... Bah, c'est le champignon qui a muté pour s'en prendre à l'homme. Oui. Et après t'as différents types de mutations. Oui, ça je me souviens qu'il y avait quand même pas mal de mutations. Ah, pas tant que ça, hein. T'as ceux qui te voient, qui te foncent dessus, mais que t'arrives à buter assez facilement. T'as ceux, quand ils te chopent, qui font très mal, mais qui se repèrent, qui se repèrent qu'au son. Ouais, voilà, c'est même les plus connus, voilà. D'ailleurs, il y avait un ennemi dans Half-Life Alyx, c'est inspiré de ça. T'as les berserkers. Ouais, ils sont longs à battre, tu sais, le sac à PV, quoi. Ouais, c'est le truc classique. De toute façon, quand tu me dis Berserker, pour moi c'est un truc classique. Bah ouais. Genre sac à PV ou... Ah c'est ça. Ou un truc dans le genre qui... Ah, hein. Qui tape quand même pas mal, qui est assez chiant à battre. C'est ça. Qui est lent, mais s'il te touche, il fait très mal. T'es bobo. Voilà. Oh, on aimerait pouvoir sprinter dans le jeu. Ah si, y'a ça, mais le problème c'est que j'ai force mes PE, voilà, et après je peux plus, oula. Oh putain l'enfoiré. Ah, il va nous attaquer lui. Ah bah alors là on va jouer.
Sachant que dans la vente de Last of Us, c'est pas les infectés hein, qui ont plus de, avec lesquels t'as le plus de mal, c'est les êtres humains. Oui, je sais, je me souviens de l'intelligence artificielle que. Ouais. J'avais, comme je te dis, je m'étais quand même renseigné et au fur et à mesure du temps, je m'étais aussi renseigné avec leur. Mais je sais que l'intelligence artificielle du jeu, au niveau humain, elle est très casse-couille. Ah, mais carrément, hein. Carrément. D'ailleurs, dans, on va dire dans le dernier arc du jeu, c'est justement pas contre des infectés que tu te bats, c'est 100% contre des êtres humains. Et alors putain, je me suis fait tuer une paire de fois avant de pouvoir voir l'ending à ce moment-là. Ouais, les humains sont... Ils sont prêts quoi. Ouais. Non, parce que je suis en train de réfléchir parce que du coup là en gros si tu veux j'ai une production de ouais. Rubber c'est quoi en français le rubber c'est du caoutchouc. Merde. Ouais. Je dois produire du caoutchouc pour quelque chose mais je suis dans ma avec du pétrole hein, en vrai. Mais je suis dans ma station essence pour faire ça et j'essaie de faire ça proprement pour pas que je nique tous mes systèmes à m'embrouiller. Mm-hmm. Et en gros le rubber ça quand tu l'as extrait ça te. Oula merde, je suis rentré dans un truc. Ça quand tu l'es. Non j'ai fait une connerie. Quand tu l'extrais. Oh, quand, putain, tu ouais. Quand tu le crées, le rubber il te donne un détritus qui est du de l'huile. Et cette huile là, faut que je l'évacue parce que sinon la machine elle ne va plus marcher au bout d'un moment. Niveau 11. Ouais si. Ouais. En gros faut que. Faut que j'arrive à évacuer de la merde quoi. Et faut que j'arrive à lâcher. Oh putain de merde, à l'aide, sauvez-moi, gâchez-moi. Ok. Y'a pas de tuti hein, pour t'aider. De quoi? Ouais, bah ça c'est clair. Au coup t'as pas remarqué les dernières parties de Dead by, cuti maintenant, elle prêche beaucoup pour sa gueule hein. Bah c'est toi qui l'as formé hein. Ouais mais ce qui est assez rigolo c'est qu'elle le dose mal parce que maintenant c'est pour sa gueule dès le début. Ce qu'elle comprend pas c'est que moi je suis là jusqu'à la fin. Voilà. Il faut savoir se servir des autres. Oh putain, j'ai rien pour empêcher d'être endormi, voilà. C'est quoi? En gros je mets... Oh putain j'ai pas en gros j'ai des pièces de moteur. Ouais. Et je les ai pas... Putain j'ai pas... Ah la putain j'ai besoin de pièces spécialisées et je les ai pas sur moi parce que j'ai... La zone que je suis en train de construire est tellement énorme, en gros t'as une centrale d'énergie avec toute une usine spécialisée pour tout ce qui est métaux, en gros transformation, les premières transformations. Après je vais avoir une autre usine qui va être spécialisée pour la deuxième transformation, donc tout ce qui va commencer avec des moteurs et des trucs comme ça. Je fais des chaînes de construction. Complètement con, j'ai un système de pipe pour aller en haut et je l'utilise même pas. Putain, un truc marrant aujourd'hui sur. En gros, on a des services civiques nous, à mon club. Ouais. On avait déjà parlé. Ils sont. Des gars, ils viennent en volontaire, etc. Mm-hmm. Et en gros mon pote avait il avait les filles moi je devais m'occuper d'un mec en gros je devais lui dire juste ce qu'il devait faire et il devait travailler pour moi. Donc avec lui on a bien travaillé mais mon pote lui devait nettoyer des pédalos avant de les avant qu'ils aillent. Bonsoir Kamikaze, comment on va? Ah salut Kamikaze. Voilà, t'as compris. Donc il devait nettoyer des pédalos avant qu'ils viennent dans la station de réparation chez moi. Oh putain, pour nettoyer les pédalos, je t'explique pas comment on a gueulé, j'ai dû gueuler.
Alors les filles, pour nettoyer un pédalo, tu sais, pour nettoyer un pédalo, généralement tu le poses pas dans la terre. Non, ouais. Donc première erreur, ils l'ont posé dans la terre comme ça, à même la terre, ils ont pris le karcher, ils ont commencé à tirer dessus. J'ai dit, oh mon dieu, le pédalo il va jamais être propre. Ah bon, résultat, quand le premier pédalo il est arrivé, c'est ça. Retournez là-bas, vous pouvez laver. Mais réellement. Mais comment tu veux qu'on lave là, y a de la terre, je dis bah tu le prends, tu me sois dessus, espèce de con. Donc tu vois, c'est déjà bien marrant. Ensuite, ils sont 5 pour porter un pédalo. Ouais. Un petit pédalo, hein, pas un grand. 5 personnes. Tu vas voir. Et ils utilisent une bouteille de. Tu sais, les grosses bouteilles de genre de 20 litres de produits nettoyants, désinfectants, etc. Ouais. Pour nettoyer 2 pédalos. D'accord. c'est énorme, putain. Et. Tu leur, tu sais, tu leur demandes de bien nettoyer et de. Au lieu de toi d'utiliser du gel nettoyant à outrance, tu leur dis bah vous faites un coup avec le gel nettoyant, vous frottez, vous donnez un coup avec l'eau, et puis à la limite vous donnez un coup de nettoyant et un coup d'eau sans frotter cette fois-ci. Et ce sera réglé, vous allez être tranquille. Bah non, les meufs elles préfèrent donner 3 coups, 150 couches, quitte à avoir que le pédalo il est que blanc mais pas nettoyé, tu vois, ils mettent juste le style truc pour nettoyer. Ouais. Ça, quand j'ai réussi. Quand on a vu ça, j'étais là, oh. Ouais. Mon pote, je me demande comment il a fait pour les supporter parce que encore que j'étais pas leur chef, elles auraient pris tellement cher. Parce qu'ils veulent pas de moi en chef, hein. C'est simple, ouais. Elles veulent pas de moi en chef. Parce qu'elles elles savent à quoi s'attendre. Ça tape trop du poids sur la table. Ah mais c'est simple, mon chef, le mec qui est au-dessus de moi, mon chef, il le dit clairement, Axel, lui quand ça va pas, t'as intérêt à que ça, ça marche. Parce que sinon, c'est sûr que tu vas pas aller. En fait, quand ça marche, quand ça va tout va bien, tu sais, je le dis, bien joué les gars, etc. Je récompense. Ah mais t'inquiète pas, hein, quand ça marche pas, tu sais très bien que moi aussi j'ouvre ma gueule. Mais ouais, je suis comme toi à ce niveau-là. Mais... Ah bah oui. Et ça marche. Et mais ça, pour moi il faut et ça, voilà quoi. Ça m'énerve les gens qui comprennent pas ça. Et elle le voit, hein, parce que quand il y a un mec qui travaille avec moi, il me disait, ouais mais bon, en gros, j'accepte les autres manières de travailler. Tu sais, tu montes une manière meilleure de travailler, je l'accepte. Mais y'a un mec qui me disait pour réparer une machine, il me faisait sortir 3 kilos d'outils alors que moi je sortais ma perceuse et j'avais fini tout le tralala quoi. Ouais. Donc et lui il me disait ah mais si ça marche, donc je lui ai prouvé par A plus B que bah, et ils ont je sais pas dire kamikaze. Ouais. Ah. Ah il et dit juste que c'est cool le Dieu Sao. Ah bah ça c'est sûr. Et donc, les jeux sont excellents. Ouais. Ah j'ai testé 2-3 jeux moi. Alors, c'est à chaque fois Namco Bandai, mais c'est deux équipes différentes qui les font, et les alternent. Voilà. Oui, c'est exact. Là par exemple, celui-là c'est Holorealization et c'est ceux qui ont fait le Fragment qui l'ont fait. Pas ceux qui ont fait Love Song. Même si au niveau de l'histoire c'est lié. Ah, chronologiquement. Alors moi j'ai fait celui-là qui est relaté l'effet de Halo. Voilà, donc le précédent, Love Song, que tu pouvais t'envoler. Oui, et que j'ai bien aimé. Moi aussi. Trop facile, par contre. Trop facile, mais je l'ai bien aimé. Même si, ça, on va dire que c'est son idée d'équipe, avec à la fin, tu peux jouer des personnages que tu n'as pas dans la série. Ouais. Ils sont des clins d'œil à des séries. Genre, je crois que c'est Black... c'est Black Lotus. Je sais plus tout leur nom. Parce que je me souviens qu'il y avait le personnage de Seven dans le song. Oui, Seven, il y a la chanteuse. Voilà, bah c'est Seven la chanteuse il me semble, qui est également scientifique il me semble, non? Non, c'est Seven je crois le mec. Non, Seven c'est une fille. Après t'as prends quelques trucs. Il y a le garde du corps en gros, hein, c'est le garde du corps. Après t'as la sœur de Seven. Si c'est Seven, t'as la sœur de Seven. Ouais, oui c'est vrai. Oh putain, quelle mémoire! Ah oui, non, mais moi ça fait un moment que j'y ai joué donc je l'ai plus en tête. Et. Ça me perd d'année. Ouais. T'as la sœur de Seven et tu apprends même que Seven à la base elle n'est pas japonaise ou autre, elle est russe. Ouais.
Parce que sa sœur veut lui parler en russe. Tout ça. Comment j'ai fait pour m'en souvenir de tout ça? Parce que j'ai une très bonne mémoire visuelle. Et tout ce qui est rapport avec la vidéo, ouais, etc. J'ai une bonne mémoire. Et surtout que ça me choque en fait que tu vois, on va être un personnage russe, l'ennemi d'Amérique, etc. Ça, classique. Voilà, c'est un peu choquant. Ah, choquant. Oubliez que le jeu a été développé par des japonais, hein, donc ça les dérange pas. Bah ouais. Oui. Et donc, Privyet, qui est bonjour en russe, tu vois, tu l'entends dans la série. Ouais. Tu l'entends pas dans la série, il dit rien. Tu l'entends dans le jeu, tu entends que Elga, qui est Privyet, dans Zden. Ah, par contre, pour l'anecdote, le. Comment? Celui-là, là, le jeu. Le réalisation. Et le scénario a été écrit en collaboration avec l'auteur du light novel. Parce que je sais pas, tu le sais, à la base SAO c'est une série de light novel, c'est des romans courts. Oui, 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 j'ai d'ailleurs quand tu les lis, j'aime pas. Ah, je les ai pas lus moi. Alors j'ai commencé à les lire, j'ai essayé de les lire, mais t'as tellement de. T'as tellement de tomes en fait que ça en devient écœurant. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, je vais regarder une fois sur internet. Il y en a plus d'une cinquantaine. Je veux dire. Ouais, ça je sais plus, mais ouais, il y en a beaucoup. En plus, tu sais, c'est pas comme si tu vois, on va dire que t'as. Ouais. T'as que les mangas. Non, non, t'as les mangas et les romans. Ah ouais, non, attention. Ils sont pas liés. En fait, c'est à la base, c'est les romans, on va dire la source, l'origine. Qui ont eu un très gros succès, c'est pour ça qu'ils ont fini par être développeurs de dessins animés. Et après les mangas eux-mêmes font encore une relecture des dessins animés, donc tu vois un peu le truc. Ouais, et justement quand tu commences à avoir un manga, plus un roman, plus... Ah bah c'est surtout qu'après tu t'y perds, parce que comme ils sont pas liés entre eux, qu'ils sont chacun à leur propre... on va dire que c'est leur propre dimension de SAO quoi. Bah même là, hein, la série de jeux, ils ont intégré des personnages de la saison 2 de Sword Art dans Sword Art Online. Donc finalement. Oui, c'est comme dans le jeu. Ah non, c'était ALO, donc ça va, ça passe. Ouais. D'ailleurs, Shinon qui aime mes personnages préférés. Bah, laisse-moi deviner, le flag. Pas de chose, c'est vraiment son tempérament, comment elle est. D'accord. Même si le flag il joue pas mal parce que c'est un flag. Ouais. Bon, après, moi, mon niveau, un personnage féminin, classique, hein, la nana du héros. Oui, ça va pas souvenir. Voilà. Ah par contre justement, voilà, pour une fois justement dans les animés japonais, on les a pas fait rouler pendant plusieurs saisons sans qu'il se passe rien. Au bout de 5-6 épisodes, ça y est, il l'avait emballé. Oui, et puis au bout de quelques épisodes, tu voyais que déjà Asuna voulait de la bite. Bah c'est la vérité. Le coup elle se déshabille, c'est encore Kirito lui qui est là à se demander comment il va faire. Alors qu'elle est déjà en soutif. Je me souviens de cette scène là, il se demandait qu'est-ce qui se passe. Ouais, mais attends, tu sais que cette scène là, elle a été retouchée pour les occidentaux, hein, dans la version japonaise, elle a à poil. Ah oui. La nudité, ah oui, il faut savoir que la nudité est très souvent retouchée dans nos versions à nous. Par exemple, dans la dernière saison de Sailor Moon, nous on a vu Sailor Moon se battre en robe blanche. Alors qu'elle était en walpé à ce moment là, elle avait juste des ailes. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que dans la culture japonaise, c'est pas dérangeant de mettre une fille qui a, je rappelle à ce moment-là, de la série 16 ans à poil. Parce que pour eux, montrer la nudité, c'est juste. Voilà, c'est le symbole de la pureté. Donc, oui, voilà. C'est une autre idée. Alors que bon, chez nous les occidentaux, comme il y a des queutards qui aiment les petits enfants, forcément, tu peux pas montrer ça à la télé. Oui. Mais oui. Mais putain, oui, non, mais. Asuna, je savais pas qu'elle était vraiment poil dans la. Si, tu trouveras facilement les images sur internet. Ah oui, et même dans. Je viens de penser sur le jeu Lost Song. Dans Lost Song, un truc qui m'avait choqué parce que. Ouais, c'est quoi? C'est. Je trouve ça émouvant. C'est que. Tu sais que Yuki est morte? Non, non! Ah oui, oui, mais le fait qu'on la revoie à ce moment-là. Mais par contre, justement, dans Lost Song. Je sais pas si tu as remarqué, Yuki elle meurt pas, ils disent qu'elle est en rétablissement. Alors, elle dit qu'elle est en rétablissement, ouais. Mais on va dire si tu lis le sous-texte correctement, hein, en fait tu lis qu'elle dit au revoir. Non, non, tu sais pourquoi? Elle est dans celui-là. Donc, non, et par contre elle répond toujours la même chose, elle dit encore qu'elle est en rétablissement, elle dit pas qu'elle est guérie.
toute façon, elle, ça fait partie du personnage, quand ils l'ont écrit, elle a toujours dit qu'elle était en rétablissement. Et je sais plus si elle dit ça dans la saison 2. Dans la saison 2, si elle, ouais. Elle parle même pas au début de comment elle est, où elle est. Ouais. Et quand ils l'ont retrouvée, seulement à ce moment-là, tu vois, ils ont commencé, on va dire, à discuter. D'accord. De ça. Ouais. Et elle a toujours dit qu'elle était en... Par contre, en parlant de choses qui ont été justement déformées chez nous, parce qu'en fait, pour faciliter la traduction, en France, ils ont traduit à partir de la version américaine. Oui. Et y'a une couille. C'est que dans la version américaine, ils ont décidé de dire qu'elle et sa famille, enfin que toute sa famille était morte du sida et qu'elle-même, c'est le sida qu'elle avait. Qu'elle avait attrapé naissance de sa mère. Ouais. Alors déjà, il faut savoir que dans la réalité, même s'il y a un pourcentage de chances que ça se produit, il est quand même rare qu'un enfant attrape le sida de sa mère. Ouais. Alors que là, elle avait perdu frère et sœur, voilà, à cause de ça. Et dans... comment ? Alors que dans la version japonaise, ils disent pas c'est quelle maladie qu'elle a. Alors, c'est bizarre parce que toi tu dis sida, j'ai un souvenir du cancer. Non, non, c'est sida, je suis sûr de moi. Mais après, je peux toute mettre... Ta famille en est mort, bah... Le cancer ne tue pas toute une famille. Oui. Bon, c'est héréditaire, tu vas me dire. Oui, mais... J'ai un mauvais... Après, je peux avoir des mauvais souvenirs. Ah non, là je suis sûr de moi, là je suis sûr de moi. Ça m'arrive souvent. Ouais. Bah, en fait, je suis aussi sûr de moi parce qu'ils en ont énormément parlé sur internet, ça fait débat. Bah tellement ça paraissait ridicule, voilà. Ça y est, le sida tue des familles complètes. Alors peut-être des familles nordistes. Mais surtout, je veux dire, pour le sida... Je crois que t'as pas relevé ce que je viens de dire. Si, si, je l'ai relevé, t'inquiète. Au bout d'un moment, tu vois, la blague, tu l'as fait tellement, on l'a fait tellement souvent que... Bah oui. Et puis comme en pleine discussion. Et je veux dire aussi, pour le sida, putain, si c'est le sida, bah putain... Ouais. Je peux te dire qu'elle est bien traitée pour le sida parce que dans un caisson hermétique fermé à tout moyen d'avoir de l'oxygène autrement que par des turbines spécialisées, elle a de la chance hein. Parce qu'en vrai c'est pas comme ça. Mais ouais, par contre j'ai bien aimé le personnage quand même de Yuki. Parce que je trouve que c'est un personnage qui est quand même un minimum intéressant. Ouais, son tempérament. Non, c'est son tempérament malgré sa maladie, etc. Elle va se battre. Ouais. Mais c'est que c'est un personnage, d'habitude, on te fait... Les personnages un peu liés aux trois principaux sont toujours haut en couleur, de bombe, torse bombé, aucune maladie, y'a rien qui les touche. Là, elle est malade et une maladie quand même qui la tue d'année en année, on va dire. Ah, hein. C'est un personnage que t'auras plus d'émotion pour elle que agile. Ouais, bon bah oui, ça c'est clair. Bon, même si agile, tu vois, c'est un personnage vraiment mis au second plan parce que bah, c'est pas. Ouais. Le gros Black, voilà, il est marrant, etc. Mais. Ouais. Tu m'as donné envie de lancer Lost Song, toi. Ouais. Il est sur PC. Ouais, faut que je craque. D'accord. Oups, on a rien dit. Merde, j'ai dit. Je veux dire, il faut que je l'achète avec une carte bancaire très spéciale. Évidemment, bien évidemment, sur Steam. Voilà, avec ma Golden Card. Oui. Le perso avec la pensée. Ah bah voilà, Kamikaze, tu rêves, parce que. En fait, Kamikaze, je t'explique, il y a quelques années, c'est IBM qui avait pondu un casque vert autour de ça. Il y avait 24 personnes qui avaient été sélectionnées. Bon, après, il semblerait que les commandes étaient basiques. C'était justement tourné autour de Sword Art Online. Par contre, il ne nous a jamais donné les résultats. Donc, à mon avis, ça n'a pas été fameux. Alors, je sais pas. Mais ça, j'ai l'impression que d'en avoir entendu parler parce qu'il y a un moment, en recherchant des trucs sur Sword Art Online, j'avais trouvé le formulaire de candidature pour s'inscrire à un test de casque de réalité virtuelle basé sur celui de Sword Art Online. D'accord. Et bon, le test, tu sais, tout ça c'était marqué en japonais, c'était exclusivement soit japonais, soit chinois, je me souviens plus. Mais en gros, c'était nippon. Ouais. Et voyez, tu comprenais que les mecs ils étaient ils cherchaient ça. Et après bon, en suivant un peu parce que du coup comme je peux pas pas sûr de jouer.
Ouais. Quand je pouvais pas être sélectionné ou autre, j'ai suivi l'actualité. Ouais. Et à moi, il y a des photos qui s'en sont sorties. T'avais des personnes enfermées comme dans des caissons. Mmh. Et sans manette, etc. qui contrôlaient le jeu, un jeu sur Dark Online. J'ai regardé ça sur internet. Je regarderai si j'ai encore le... Bah ouais. Je regarderai si j'ai encore le site. Parce que le site était super bien fait. Vraiment, il était très beau. Mais en gros, ouais, voilà, c'était... Après, comme je dis, je suis sûr que c'est un truc de test de casquette VR, mais après, je sais pas si c'est relié à ce que tu parlais, justement. Ah, c'est ce qu'IBM avait annoncé à l'époque, hein. Oui. Attends, il y a une entrée là, ici, là... Ouais. On va essayer quand même. Par contre celui-là putain t'arrives beaucoup moins rapidement d'un point A à un point B où t'es censé te rendre que dans le song. Oui non, mais dans le song tu prenais les portails hein. Oh bah tu... Et même tu fonçais à une vitesse quand t'étais dans les airs. Ouais. Il suffisait de masturber ta touche. Oui. D'accord, c'est Maribon, c'est là-bas que je veux aller. Encore comment tu pétais ta manette juste pour tes déplacements, t'avais tellement plus vite d'y aller à coup de ouais en fly avec un personnage assez rapide. Comment je sais pas si t'avais été regardé à l'époque Lost Song les galeries photos que tu faisais. Bah les galeries photos de toute façon tu peux regarder, c'est ce que toi-même t'as débloqué pendant le scénario, donc tu les connais. Oui tu les connais, mais il y en a certaines. Ok d'accord, c'est là-bas. Ouais. Qui sont... Je veux dire le. Il y a. On sait c'est. On dirait que parfois, bah par exemple c'était pour Steve. Comment elle s'appelle là? Ouais. La fille c'est Steven, c'est ça? Seven. Sept. Et en gros, T'as limite à un moment ouais. Un clin d'œil à la Bible, on dirait. C'est parce que quand elle faisait fleurir tout, elle a fait fleurir tout un champ grâce à sa voix. Ouais. Comment elle est, on dirait le Christ devant. Je sais plus c'était quoi. Mm-hmm. Comme passage. C'est super. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de. Dans les dessins animés japonais, il y a beaucoup de références à la religion chrétienne parce que bah en fait chez eux cette religion n'existe pas. Oui. Mais ils trouvent que c'est stylé. Voilà, ah bah tu regardes par exemple Evangelion, dès le premier épisode, l'explosion, t'as vu que ça forme des croix. Hein. Et on a énormément. Hein. Bah d'ailleurs, justement. Évangile, ouais. Et de toute façon, même l'histoire. Hein. L'histoire a été présentée comme une relecture du Nouveau Testament. Et même quand j'ai fait le chip, beaucoup d'animés qui font un peu style gang, un peu dark, ouais. Et des trucs comme ça. Souvent les mecs ils sont, t'as toujours un mec comme ça, on va dire un européen, qui est super bien représenté. Mm-hmm. Mais il est chrétien, il a une croix. Ouais. Alors qu'en vrai un européen et Jésus c'est quoi, ça se mange. Ah non c'est Allah en français. Ah c'est sûr que maintenant oui. C'était Black hein. Le dernier animé. Il y a un animé que j'avais regardé, j'ai dit que j'avais commencé par la fin là. Un animé que t'avais commencé par la fin. Ouais, ah oui que t'avais dit que t'avais regardé dans les ordres, ça arrive pas. Ouais. Et en gros, dans la première partie de l'animé, il se passe au Japon. Hein. Ouais. Et dans la deuxième partie, il débarque en. En Europe, et tu remarques que putain des dessins occidentaux par rapport aux japonais, ouais. comme on est représenté, c'est étrange. C'est vraiment pas la représentation que tu ferais que les Québécois etc. Mm-hmm. C'est vraiment le mec, soit il est propre sur lui, soit c'est un pire combattant à l'arme à feu.
des choses comme ça. C'est marrant qu'on soit, qu'on sait que on est représenté comme ça dans des cultures où. Ouais. Attends, tu dis ça, mais nous-mêmes on les stéréotypes. Oui, non, mais non, mais ah c'est ouais. pas. Je veux dire, c'est le stéréotype, il est pas. C'est, il est pas méchant ou autre. Nous, par exemple, moi j'appelle les nippons. Mm-hmm. Ou les bridés, c'est quand même un stéréotype, tu vois. Le nom est un peu aujourd'hui évocateur de. Ouais. De racisme ou de choses comme ça, ah tu mais vois. Mais bon, ça c'est. Oui, ça c'est des délires. Ah, non, mais je veux dire, c'est aussi la preuve qu'on est plus méchant qu'eux. Voilà, alors. Oui. Et puis bon. Il y a d'autres choses de leur côté qui sont qui font que c'est comme ça. C'est leur niveau de respect ah non, mais c'est ça. Aux yeux de la loi déjà de 1 parce que putain là-bas c'est pas c'est pas la France hein, c'est pas Jean Rachid qui va insulter les flics. Non non non, tu t'insultes un flic t'es bon pour la prison. Mm-hmm. C'est un pays qui est quand même assez dur à vivre pour les anciens, parce que les anciens avaient l'habitude de vivre avec les enfants, mm-hmm. Les nouveaux. Tu vois ce que je veux dire? Non. En gros, si tu veux, c'est tout ce qui est anciennes ouais. personnes avaient l'habitude que leurs enfants, leurs petits-enfants, ou la famille reste dans un cocon. Mmh. En gros, les vieux, ils restaient toujours dans la maison de la famille. Ouais. Comme les temps ont changé et que les villes se sont émancipées et qu'on a... Tu sais, il y a toujours eu plus de gens dans les villes, les gens se détachent de la famille, etc. Mmh. Eh bien, les vieilles personnes sont sujets à des suicides là-bas. Plus de suicides... De toute façon, même dans la population en général, c'est le pays où il y a plus de suicides dans le monde, hein. Oui, tellement la pression à l'école, au travail, tout ça est très importante par rapport à nous. Ah oui, non, mais la pression à l'école, c'est autre chose. Hein. Et oh, ben c'est clair. Oui. De toute façon, la région asiatique, Chine, Japon, c'est pression à l'école, mais c'est énorme. J'aimerais pas être un écolier chinois ou japonais. Tu m'étonnes. Parce que putain. Je veux dire, le prof, on nous avait montré un extrait d'une vidéo. Bon, c'est encore de la propagande chinoise, là, on est... Chinoise, pas japonaise, pas confondre. Oui, non, mais là, ouais. Tu vois, c'est pas assez... Je donne l'exemple des Chinois, mais ils sont à peu près dans la même tête thématique de l'école. Bon, ils ont des choses qui diffèrent, c'est normal. Et en gros, les Chinois, quand... Ouais. Quand ils vont à l'école, le prof il peut être 30 minutes. Ils ont attaqué. Oui. Le prof il peut être 30 minutes en retard, c'est un élève qui prend le relais du prof. Oui. En l'attendant, il fait le coup. Allô? Ouais. Allô? Non, je t'entendais plus. Ah, c'est trop du jeu 14 ans pour ouvrir sa fenêtre de temps. Ouais. J'ai là, c'est en gros les élèves quand le prof est absent, parce que là dans la vidéo le prof était absent de 30 minutes. Ouais. C'est en France, quand il est absent de 30 minutes, le prof il se fait pourrir par tout le monde. Mm-hmm. Là-bas, c'est les élèves qui ont pris le relais du prof et qui ont fait le cours à sa place. J'ai vu ça dans des dessins animés japonais justement. Ils montrent le ou la délégué qui prend. Bah, qui en prend la responsabilité pendant qu'il est pas là, c'est ça. Et tu dis putain, t'as ça en France, en vrai t'as Jean Rachid qui lui envoie une boulette de papier pour fermer sa gueule en fait, hein, ce gars-là. C'est pas possible, hein. C'est, rendre l'étudiant français comme ça, non, ce sera pas possible. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est un truc de fou comment tu les vois. Dans leur école, trimés comme des malades. Et t'as allé où la randonnée? Oui. Ah ouais. Encore en randonnée là. Oh, bah, j'appelle ça une randonnée. Hein. On est pas dans un donjon, on est à l'extérieur. La map elle est immense, 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 immense. Là, j'ai des profs qui sont en amphi, tu sais, qui travaillent en amphithéâtre. Oh,
Ouais. Et en gros, au bout d'un moment, on explique que dans les amphis, quand ils croisent des Chinois ou des Japonais, ouais. C'est les pires étudiants de chez eux qui viennent chez nous étudier en France. Ceux qui sont en échec scolaire. Et voilà. C'est, quand c'est comme ça, tu te dis, y'a un problème, quoi. C'est nous qui sommes des merdes ou... Parce qu'ils arrivent quand même à envoyer des mecs qui sont pas bons scolairement parlant, donc qui sont pas bons pour eux. Ouais, selon leur standard. Voilà. Dans un pays qui, du coup, est normalement censé pour rattraper le niveau, on est une classe de sec pas en fait. Après, attention, hein, au sein de l'Europe, faut pas généraliser la situation sur l'Europe et la situation de la France. La France est très mal classée par rapport au niveau de culture à travers l'Europe. Par rapport au niveau culturel. Mais je comprends pas, pourtant l'enrichissement culturel avec les bougnoules. Fais gaffe ce que tu dis, je suis en live. Quand Kamikaze qui met la France, c'est toujours un dépotoir. Oui. De toute façon, depuis qu'il y a eu l'enrichissement culturel. Hein. Oui, non, mais c'est bien, oui, c'est bien. T'as ajouté du monde dans le cercle. C'est tout. Ouais, c'est pas parce que t'ajoutes des gens avec des spécialités différentes de nous que tu vas devenir plus cultivé. Bah, bien sûr que non. Tu parles d'enrichissement culturel. Oui, voilà. Et pourtant, c'est ce qu'on croit. Pourtant, il y a des chiffres qui montrent le contraire, mais bon. Chiffres, apparemment, ça sert à rien aujourd'hui. C'est quoi là-bas ? Ouais. Les maths, tout ça. On verra demain. Vraiment, quand on voit le joueur de bestiole, on se doute qu'ils ont un niveau de malade, qu'il faut être à la fin du jeu pour avoir le niveau pour les affronter. Ah bah oui, niveau 101, je suis au niveau 12, demi-tour. Et, bon bah, super. Oui. On va RIP Samuel. Non, t'inquiète, je me barre. J'allais taper Cyprien. Cyprien. Oh, quand même. Ah, c'est parce que j'ai un des collègues de travail qui est le frère de mon ex. Ouais. Il s'appelle Cyprien et je suis resté toute la journée. Je pensais que tu parlais du youtubeur. Ah oui, non, c'est un crétin, c'est si... un. Même si je le trouve pas drôle, j'aimerais avoir autant de followers que lui. Enfin, il est pas sur Twitch. Sur YouTube, autant d'abonnés. Ah, moi je trouve vraiment que ça devrait être chiant la popularité, non? Ouais. Ah, ce truc, c'est que voilà, c'est pas tant la popularité que je trouve excitante, c'est surtout l'argent qu'il arrive à se faire et qu'il fait. Oui. Dans les faits. Voilà. Et c'est sur ce point-là que ça a son charme. Oui, de toute façon. L'argent, quoi. Oui. L'argent attire toujours, quoi. Bah, heureusement. Mais c'est normal, hein. Non, moi je dis que ça fait pas le bonheur. Le prochain coup qu'un mec est en train de mendier des sous à un four rouge, je vais lui dire que je vais pas lui donner de sous, mais que c'est une leçon de vie pour lui. Qu'il comprenne que ça ne fera jamais son bonheur. Alors, l'exemple est très cru. Oui. Mais... théoriquement... Bah oui. Généralement ceux qui disent que ça ne fait pas le bonheur sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. T'es sûr que c'est que de l'argent? Ouais. Et pas de l'or? Ouais, enfin tu m'as compris. Oui. Polyester. Comment? Polyester. Comment ça, polyester? En gros... comme je t'ai dit, je mélange des plastiques là. Ok. Et du coup, ben,
un des déchets que j'ai amené dans une machine. Ouais. En fait, tout à l'heure. C'est le bordel. C'est quoi? C'est le bordel dans la base. Quelle base? Ah oui, t'es en jeu! J'ai fait une modification, c'est le bordel, je dois faire 3 km de fil. Ouais. Et en fait, l'autre pain beige qui traîne aussi, gros, avec ses cutes. Hein? Il y a un passeur? Utile? Non, bah oublie pas qu'il est 6h, il y a 6h de décalage pour elle. Et je sais pas, elle m'a dit que si on la voit, ça sera pas de bonheur pour nous. Après, je sais pas quelle heure elle croit que j'ai couché, hein, parce que. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Je me suis déjà reposé tout à l'heure, donc là forcément j'irai pas coucher, j'ai rien. J'avais pas couché non plus très tôt, donc c'est peut-être pour ça qu'elle croyait qu'elle allait pas me voir, je sais pas, on verra. On dirait un enfant quand tu dis pas comme ça. J'irai pas coucher tôt aujourd'hui, j'ai pas envie maman. Ça fait enfant. Oh putain aussi. C'est quoi? Là je vais te tromper, hein, je parle pas de Camille. D'accord. J'ai mon ex qui faisait du kayak avec moi. Ouais. Qui depuis. Bah, je sais pas pour quelle raison. Hein, est revenu. Non, elle avait arrêté le kayak avec. Quand j'étais là, elle avait arrêté le kayak. Et puis d'un seul coup, elle commence à me reparler, mais tu vois, comme quand on était vraiment amis, on va dire plus amis ensemble. Ça fait des plus loin. Elle me reparle. Voilà. Et. Elle me reparle déjà de là comme ça, et puis elle revient aux entraînements alors qu'elle avait dit qu'elle arrêtait pour des raisons de santé. Tu sais, je parlais de ça avant. Après, d'un seul coup, ils disent c'est vrai que elle te colle. Ouais. Donc je sais pas si elle veut ma bite. On verra ça plus tard. Oh, parce qu'elle était quand même bien gaulée, donc si elle veut ma queue. À bon entendeur. Oh bah ouais. Faut bien s'amuser un peu, non? Yes. Ah là là. D'autres personnes me diront t'es un gros dégueulasse. Oh mais quel trou de balle, j'ai pris le mauvais chemin. Ta randonnée, allez, rajoute quelques kilomètres à ta rando là. Ouais, j'en ai rajouté, ça c'est clair. Samuel, il se tape une randonnée de 14 millions de kilomètres et il se trompe quand même de direction. C'est clair que c'est interminable. Bah au moins c'est pour le plaisir de jouer, non? Ouais. Ce qui est marrant, c'est que la map de Zelda Breath of the Wild paraît minuscule maintenant à côté. À ce point-là. Ouais. Oui. Bon après c'est pas non plus la même liberté, je veux dire tu vas pas monter sur les parois et tu peux pas quoi. Et tu marches quoi. Et en fait, d'ailleurs dans ce jeu là je suis dans quel univers? Tu es dans Halo? Tu es dans... Alors c'est Sword Art Origin. Alors en fait ça... Comment? Ce qui s'est passé c'est qu'il y a des développeurs qui ont créé Sword Art Origin. Donc en fait t'as la ville du départ, mais avec tout le monde qui a été développé autour. Tu n'as pas le château dans le ciel sur plusieurs étages. Ah t'as en gros et t'as... Je vois oui. Voilà. Là, je vois de quoi tu parles. Ils en font un parallèle à la fin de Sword Art Online, non? Ah non, c'est pas parallèle, ça rentre vraiment dans l'histoire. En gros, les événements Sword Art Online ont eu lieu. Oui. Mais ils ont utilisé les données du jeu pour pouvoir développer un jeu rapidement qui s'appelle Sword Art Origin. Voilà. Après, voilà, il n'y a pas les événements de Sword Art Online.
Là ils sont pas en danger quoi. Il y a même des moments dans le jeu, ils disent bien je me déconnecte. Oui, mais c'est bien. Après, c'est quoi l'histoire du jeu, on sait pas encore. Ce jeu là, ils en parlent dans Sword Art Online. Ah, Sword Art Online, hein, ils en parlent dans... Je crois que c'est AED. Hein? Ouais, bon, ils en parlent dans AED. Les personnages. Après... Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, après aussi, il faut savoir que pour se connecter à Sword Art Online, c'est pas avec le Nerf Gear. C'est avec le casque, justement, d'Alfheim Online. Oui. C'est le casque qui a été repensé, qui disait, qui expliquait qu'il était moins immersif, mais moins dangereux. Oui, c'est celui-là qui a juste une visière devant, là. C'est ça, c'est ça. Par contre, le design de ce casque, je l'aime moins que le Nerf Gear. Ouais, sauf que le Nerf Gear, heureusement qu'ils sont couchés sur leur lit en stase hein, quand ils jouent, parce que... Imagine si c'était un casque vert, là, comme on a là, qu'on est debout chez nous, ce serait un peu lourd. Un zombie de truc. Et tu pèterais tout, parce que, putain, tu devrais... Ah, c'est clair, quand tu fusticules. En même temps, tu dis ça, mais... J'attends de voir le résultat quand je vais vraiment me lancer à Skyrim VR. Oui. Oh mais je veux le voir le résultat parce que je sens que je vais rigoler. Ah bah ça. En tant qu'un grand fan de la série Elder Scrolls. Ouais ça le sait. Je sens que je vais rigoler. Alors par contre je vais juste là ouvrir. Alors s'il faudra on va dégager, blablabla, ok. Par contre là je vais juste. Voilà, dès qu'il y a un point de téléportation, aller dans la ville pour dire de lancer la sauvegarde automatique. Et je vais arrêter le live pour ce soir. Désolé Kamikaze. Ouais. Smart Speeder. Hmm. Et en gros, je suis en train d'essayer de programmer mon truc. Hein. Ouais. En gros, si tu veux, sur un tapis, oui. J'ai 3-4 matériaux qui commencent à arriver. Et je dois leur dire, toi tu vas aller dans cette ligne là, tu vas aller à la poubelle, toi tu vas aller dans cette ligne là, et... D'accord. Ça commence à devenir compliqué. Ouais. Alors, par contre, attends, je mets fin au live, voilà, donc... là, je vais arrêter pour ce soir avec Sword Art Online Holo Realization. Ok, ça marche Kamikaze. Surtout qu'attention Kamikaze, si, je dis bien si, Last of Us partie 2 est dans les bacs, je monte justement demain les 2-3 premières heures. Peut-être même 4. Donc voilà, donc s'il y a aussi des gens sur le live ou sur le replay qui n'auraient pas encore fait le nécessaire, merci de rejoindre mes followers si vous êtes sur Discord. N'importe quoi. Si vous êtes sur Twitch, c'est le bouton en dessous de l'écran, également représenté avec un cœur. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite bien sûr à me liker et vous abonner. Enfin, vous trouverez un lien qui vous permettra de rejoindre ma communauté Discord. Sur ce, à bientôt. Bientôt.